placement bien sûr, que l'on peut mettre en place donc dans le matériau. Donc on va venir ici dans Edit Material et venir ici donc dans le panneau Advanced Material Editor Défaut. Donc je rappelle qu'on a deux possibilités de voir les matériaux. Donc on a Basic Material Editor. Ok, donc à ce moment-là, on a beaucoup moins donc de possibilités, notamment toute la partie procédurale est absente donc dans la partie Basic Material Editor, hein, et Advanced Material Editor. À ce moment-là, on a un ensemble ici donc d'onglets qui sont d'abord plus complets, qui nous permettent de travailler sur les réflexions, la transparence, la translucence et ainsi de suite, et de pouvoir mieux travailler aussi donc toute la partie procédurale qui nous intéresse. Donc on va venir sur le canal Bump ici. Donc sur l'onglet Bump ou canal Bump ici, et on va faire bouton droit la souris sur la vignette représentant donc actuellement le Bump qui est nul, qui est par défaut donc grisé, et on va venir dans Load Function ici. Donc on a plusieurs possibilités donc de pouvoir loader des fonctions donc de Bump. Ici donc dans la collection proposée par Vue, bien on a un répertoire bump, hein, dans lequel on retrouve donc différents types de bump, hein, complexe crack par exemple, ou différents types de terrain ou de rochers par exemple, hein, que l'on peut donc utiliser. Alors ce qui est plus intéressant dans le metabload comme dans éventuellement l'hyperbload comme on le verra, c'est de pouvoir utiliser donc le répertoire des fractales ici, qui donne des formes assez complexes et qui vont bien s'adapter donc aux formes que l'on a donc ici des metabloads. Donc on peut prendre ici par exemple Sample Rock Soft pour commencer, hein, en préliminaire, et puis voir comment on peut faire évoluer ce matériau. Donc en fait ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va charger donc ici un matériau bump. La mise à jour va se faire ici, on voit donc au niveau du matériau ce que ça donne, hein, en termes de détails de bump ici. On a le def du bump ici que l'on peut donc éventuellement augmenter. Alors je le double ici pour vraiment marquer donc à ce moment-là le matériau, et en conséquence donc l'hyperblow. Donc on va lancer maintenant le rendu. Okay. Voilà, donc on voit que la forme ici est transformée. Alors j'aurais dû fermer ici mon éditeur de matériaux pour que l'image reste. Voilà. Et donc on voit ici l'application donc du bump qui commence à déformer un peu donc notre objet. Alors pas de manière très forte, hein, on reconnaît encore la forme, mais on va pouvoir augmenter ce bump, le transformer, comme on va le faire maintenant donc dans l'onglet bump en revenant sur Edit Material. On va pouvoir continuer ici en regardant donc et en changeant les paramètres. Alors commençons avec les paramètres de def. Ici on avait mis une valeur de 10. Si on augmente par exemple avec une valeur de 30, bien sûr, on accentue, comme on peut le voir ici dans le retour donc de la main caméra, on accentue bien sûr donc le bump et la déformation de la forme primitive. Alors on a ce paramètre de def ici, on a le paramètre de scale, donc c'est les deux premiers paramètres qui sont assez simples à changer dans le bump ici, qui va permettre donc de transformer éventuellement donc le matériau qui lui-même transformera donc la forme. Donc le scale est important puisque c'est en rapport avec la longueur d'onde en fait des fréquences utilisées dans le fractal ici dans notre cas de figure que l'on pourra voir. Le scale donne la taille donc du bump, de la répétition du bump donc utilisé ici. Donc on peut ici par exemple utiliser, par défaut on avait une valeur à 0,10, hein, on peut venir utiliser par exemple une valeur à 0,2, et donc on voit, et on va faire le rendu en conséquence, on voit que l'on a donc agrandi l'effet de relief, distancié l'effet de relief sur l'ensemble de la forme, donc on a quelque chose de plus doux, on pourrait dire, de moins marqué et de moins donc dense en termes de relief. Okay, donc c'est ce que l'on voit ici par rapport à ce que l'on avait donc tout à l'heure. À l'inverse, si on met une valeur donc deux fois plus petite par rapport à 0,1, donc 0,05, eh bien on obtiendra quelque chose de
plus dense, donc en termes de répétition de motifs de relief, comme on peut le voir ici. Okay. Et donc ça modifie de manière importante donc la forme. Et donc il faut commencer à régler ces premiers paramètres sur le matériau de manière globale, de telle manière ensuite de pouvoir ajuster donc des paramètres un peu plus fins. Donc ici on va venir par exemple sur une valeur à 0,15. Voilà. Ok. Revenir sur le matériau. Ensuite, ce que l'on peut régler, c'est dans la continuité, c'est le bump scale ici, mais au niveau donc de l'onglet bump. Hein, on a le scale général donc à 0,15. Et puis par défaut, on a des valeurs donc en bump scale égale en x, y, z sur les trois axes à 1. Donc il faut faire donc le bump scale ici, la valeur 1 fois 0,15, et on obtient donc la valeur sur l'axe x, y et z, et ainsi de suite. Et donc on peut très bien modifier ces valeurs de manière différente sur les trois axes pour étirer la forme du scale, par exemple. Alors si on veut strier un peu donc le bump sur la hauteur, puisque le z ici, comme on le voit sur l'axe qui sont dessinés en bas à gauche donc de la vue 3D x, y, z, on a le z donc qui dessine l'axe de la hauteur. On peut très bien, par exemple, si on met une valeur de 10, donc étirer dans l'axe du z, donc le motif se répète comme on peut le voir ici dans l'aperçu de la main caméra. Ok, donc on peut remettre 1 ici, et puis par exemple sur x, y, la même chose, et sur x aussi. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on va avoir des stries donc horizontales qui vont venir marquer l'ensemble donc du relief. Voilà, ici pour exagérer un peu la forme ici, on voit ici les stries marquées avec la modification donc du bump scale ici en x, y. Okay, donc je reviens sur 20. Voilà, donc on peut imaginer ici un étirement moins fort ici avec des valeurs de 2 en x et en y, et on voit quand même que l'on a donc quelque chose qui a une tendance donc à s'étirer sur l'horizontale. Donc on va venir augmenter ici la valeur du def à 50 pour accentuer encore plus donc l'effet du relief ici. Et le paramètre suivant que l'on va venir donc modifier, c'est le filtre ici qui était juste à côté donc de l'icône du relief ici marqué. On peut venir donc éditer le filtre. Donc le filtre, c'est quoi? Bien, comme son nom l'indique, ça veut dire que le bump va être filtré par cette courbe ici. Alors là, on a une courbe donc linéaire, donc le filtre est nul, dans le sens où il modifie pas donc la structure. On peut éditer le filtre, hein, donc on voit ici le filtre, et donc on voit les valeurs et on comprend pourquoi le filtre ne modifie rien. Pourquoi? Parce que eh bien, de moins 1 à 1, ici, il apporte la même valeur donc par rapport donc ici à moins 1, il donne en face la valeur de 1. Si on prend 0, eh bien, il donnera 0, et à la valeur de 1, il donnera 1 ici. Donc en fait, ce filtre ne change rien ici à la structure donc du bump donnée par le fractal et par donc la forme définie dans l'échantillon que l'on peut voir donc de la sphère. Alors on peut bien sûr changer ce filtre en refaisant bouton droit la souris Load Filter, et donc à ce moment-là on va avoir une série de filtres donc que l'on peut donc utiliser. Alors différents types de filtres, on va venir sur Terrain Profile ici et pouvoir utiliser donc différents types de filtres. Alors on va utiliser celui-ci, Creases ici, pour bien voir ce que permet d'apporter donc le filtre. Donc Creases, on dit OK. Voilà, donc Creases, donc c'est des vaguelettes en fait qui viennent modifier donc la forme du bump. Ça veut dire quoi encore une fois? Si je viens dans Edit Filter ici, pour la valeur de moins 1, j'ai toujours moins 1. Ça veut dire que dans les formes en creux du bump, eh bien, ça ne changera pas. Et par exemple, si je prends donc la valeur 0, eh bien la valeur 0 donc
pas de bombe ni négative ni positif, eh bien elle sera donc poussée vers le négatif, vers une valeur donc en creux, et ainsi de suite. Donc par contre à 0,25, eh bien c'est l'inverse, on va avoir donc une valeur qui sera plus importante, et ainsi de suite. Donc on a des variations qui sont apportées, pas de manière aléatoire, mais sous la forme un peu d'une sinusoïdale comme ça qui voilà. Alors on peut faire varier donc ce filtre, parce qu'on a des points, on peut en créer, en enlever, et donc bien sûr on peut modifier. Alors si on modifie donc ici le filtre, là bien sûr je creuse et j'exagère, puisque de la valeur 0 sur lequel donc c'était un point qui était censé sur la surface ne pas bouger en 0, et eh bien là il va partir en creux à moins 0,75, et donc on voit qu'on creuse en fait ici de manière notable notre relief. Ok, donc on voit l'apport du filtre ici, et donc dans le choix du filtre on va pouvoir donc modifier de manière notable donc le relief. Donc, par exemple si je prends par exemple un Young Mountain ici, ok, voilà, je vais pouvoir donc donner Edit Filter ici. Je vais pouvoir donner donc une prédominance aux valeurs hautes donc du bump, et atténuer donc les valeurs moyennes qui vont se retrouver eh bien plutôt donc de valeurs négatives. Donc on va donner, on va contraster, ça serait un peu une courbe de gamma en définitive, dans un sens. On va contraster donc le filtre, le bump ici grâce à ce type de filtre. Ok? Donc ça c'est assez intéressant, ça nous permet donc d'accentuer le bump au démarrage dans les creux du relief. Okay. Donc ici si j'exagère encore éventuellement, voilà le relief. Okay. On va lancer le rendu. Voilà, donc l'importance du filtre ici, bon, le bump est un peu exagéré ici, mais on voit que l'on commence donc à bien modifier la structure ici donc de l'élément MetaBlade. Donc on va revenir encore une fois sur le filtre ici, revenir sur des valeurs plus faibles, donc on va se ramener sur une valeur de 20 ici, qui nous donne donc quelque chose d'assez intéressant en termes de modification. Et on va donc, pour terminer cette première approche, venir maintenant donc sur la fonction. Donc après avoir chargé une fonction que l'on a considérée comme intéressante, qui est venue se mettre donc dans l'échantillon donc de bump ici, en venant commencer à modifier donc éventuellement le scale, le bump scale sur les trois axes, le filter et le def, qui sont les paramètres donc je dirais d'environnement et de modifications généraux. Du bump ici, on va pouvoir venir donc dans la fonction. Donc en venant faire Edit fonction ici, ok, je vais pouvoir donc intervenir sur la fonction qui constitue donc le bump. Donc ici, on va se retrouver avec l'éditeur de fonction qui est un peu le cœur de vue, hein, qu'on va utiliser donc pour les matériaux, mais que comme on l'a vu sur des précédents tutoriels, on a utilisé pour les terrains de type procédural, et pour différents types de fonctions. Vue fonctionne pas mal avec cet éditeur de fonctions. Vue est un logiciel donc de type procédural et de type nodal. Donc on retrouve ici le fonctionnement nodal. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que on va. Alors je viens ici régler donc la taille de l'éditeur de fonction que l'on ne voit pas en entier à cause donc de la fenêtre, mais que je pourrais présenter en venant remonter donc au fur et à mesure comme ça les différentes fonctions. Donc la première partie ici que l'on a déjà présentée donc dans les précédents tutoriels, comme je le disais, est la partie nodale, donc les connexions qui se font pour obtenir un résultat. Donc le résultat que l'on recherche ici, c'est le bump et éventuellement le displacement. On pourra aussi donc éventuellement rechercher donc si je fais un zoom arrière ici. Et je me déplace. Voilà.
Okay. On voit ici que l'on a donc le canal color. Ok, et ce canal color donc est lié donc à une color map ici qui pour l'instant n'a pas de système donc de connexion autre que la couleur de base ici qui est donnée. Et on pourra bien sûr connecter, comme on le verra dans des matériaux complexes au niveau du canal color et alpha, connecter donc des calculs procéduraux de type fractal et autres, comme c'est le cas ici donc pour le bump. Ok, donc alors souvent ce que l'on fait, c'est que on vient connecter donc en input la position. Alors c'est la position, ça peut être l'orientation donc du point calculé sur la surface, ça peut être le slope ici, donc la pente. C'est souvent aussi, on va utiliser l'altitude par exemple pour avoir des variations donc soit de relief soit de coloration par rapport à l'altitude. Et ces inputs, hein, ces valeurs en input vont être connectées donc à des éléments qui vont faire des calculs, donc des nodes qui vont faire des calculs, comme ici le simple fractal qui va de la prendre la position, qui va la rentrer donc dans son calcul simple fractal et qui va en sortir donc un bump. Et donc forcément on comprend bien que par ce principe là, eh bien la valeur de bump qui va être donnée va être différente donc selon la position, puisque la position variant, le bump résultant variera aussi de la même manière. Ok, donc à partir de là, eh bien on a ensuite un ensemble de paramètres que je montre ici. Alors ce que je vais faire, je vais descendre quand même le node bump pour qu'on le voit juste sur la fenêtre, voilà. Et puis on a donc ici la possibilité donc de modifier les paramètres donc d'un fractal node, d'abord en choisissant, alors on ne va pas passer tout en revue, mais en choisissant donc un mode de fractal. On a différents types de fractal, cyclique, open ocean, grainy, ainsi de suite. Et bon, ici c'est simple fractal que l'on a donc sélectionné, donc il vient de se réinitialiser ici, et sur lequel on va pouvoir donc apporter des variations qui vont bien sûr faire varier le bump. Donc on a parlé déjà de ces paramètres là donc dans les précédents tutoriels, justement sur les terrains de type procéduraux et sur les matériaux classiques que l'on applique donc au terrain ou aux éléments donc polygonaux censés représenter donc des rochers, hein, sur lesquels on a travaillé un peu sur ces fractal nodes, donc avec la longueur d'onde ici, le wavelength ici, on retrouve un peu les mêmes fonctions, comme on avait le scale sur les axes x, y, z, et bien ici le wavelength, pardon, on va pouvoir aussi le faire varier l'origine, qui nous permettra d'avoir deux types de fractales différents si on a deux rochers similaires, mais avoir des formes de relief différents en déplaçant donc ici l'origine. Et puis on a des fonctions donc de metascale, largest feature, smallest feature ici, qui vont de pair, sur lesquelles on va pouvoir travailler, qui vont nous permettre de travailler la forme. Donc je vous renvoie donc au tutoriel donc sur ces paramètres là ici, que l'on va pouvoir donc modifier pour modifier la structure bien sûr de notre relief. Donc ici par exemple, si on vient changer donc notre fractal, on prend un fast perline fractal ici pour faire simple, et eh bien on peut monter le paramètre de metascale pour exagérer ici, largesse pas trop pour retrouver donc des petites formes, et plutôt le smallest ici pour venir donc répéter un peu les déformations, voilà, sur une petite échelle, éventuellement augmenter le roughness ici pour avoir des formes plus marquées comme on peut le voir, voilà. Donc là on a un def pas très élevé, je le mets à 5 ici, et voilà ce que l'on peut donc ici obtenir. Donc on peut revenir bien sûr sur les paramètres de scale qu'on avait vu. Hein. Donc là ici on a quelque chose avec une géométrie relativement dense. Donc avec le smallest feature ici, on obtient donc des petites formes ici qui se répètent, avec à côté donc des aplats, donc on pourrait dire des formes un peu plus larges. Donc c'est le largest feature, et c'est un mélange des deux ici que l'on voit donc apparaître ici pour le relief. Ok.
Voilà un peu donc les paramètres que l'on peut donc ici faire varier au niveau du bump. Donc pour terminer ici, on va prendre un exemple qui modifie de manière assez notable donc ici la base donc du MetaBlade. Hein. Alors ici je viens chercher donc load matériel. Donc j'avais mis un matériau ici, donc MetaBlade 01.mat. Je le recharge donc principalement pour son bump. Donc je fais edit matériel ici. OK. Et je me retrouve donc ici avec le matériau. Alors l'edit function, ben, on l'a déjà vu, c'est un simple fractal. Hein. Donc on le remontre ici. Donc c'est un simple fractal avec un filtre ici déjà sur le simple fractal cassé qui permet de faire donc des zones d'aplat bumpées, c'est-à-dire fortes, sur les trois quarts donc des valeurs entre moins 1 et 1 ici, comme on l'a vu donc précédemment. Hein, donc moins 1 et 1, je le remontre ici, voilà. Et ça permet donc d'avoir des zones en aplat en relief sur cette forme-là et ensuite des parties un peu plus travaillées, un peu plus haute fréquence. Ok, donc ici on valide donc ça. Ici on a donc une forme linéaire. Si on veut accentuer un peu ce travail donc du relief par le simple fractal, eh bien on pourra donc loader un filtre comme on a vu précédemment le Young Mountain ici, ok, qui va me permettre donc de venir accentuer un peu donc ici le travail. Et si on vient donc maintenant, voilà, on va lancer le rendu. Ok, donc voilà le résultat que l'on obtient ici. Donc on obtient une déformation, donc alors trop importante, puisque j'ai augmenté donc le bump de manière notable, mais on voit que l'on peut donc vraiment déformer. Donc là on a complètement étiré, c'est plus que de la déformation, mais ça montre donc l'effet.